tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce qu'aujourd'hui j'ai reçu un petit colis dans le cadre d'un échange sur le thème de Pâques. Donc évidemment avec la situation sanitaire actuelle et surtout ce qui s'est passé courant avril-mai, nous n'avons pas pu envoyer nos colis tout simplement parce que ma poste à moi de mon côté était fermée. Je pouvais recevoir mon colis, enfin des colis et du courrier, mais moi je ne pouvais plus en envoyer, donc on a décidé d'attendre la fin du confinement pour envoyer tout simplement nos colis. Du coup, c'est chose faite, je l'ai reçu aujourd'hui, donc je vais vous déballer le colis en vidéo parce que ça me plaît toujours de faire ce genre de vidéo et au moins ça met en valeur les créations qui ont pu être faites. Mais j'ai un peu triché parce que j'ai dû partir entre deux quand j'ai eu mon colis. Du coup, j'ai commencé à regarder dans la voiture. Mais évidemment, sans conduire, hein, je ne conduisais pas. Et donc voilà. J'ai fait cet échange-là avec Manon. Donc Manon n'a pas de chaîne YouTube, mais elle a un Instagram. Donc Manon Houle, si jamais ça vous intéresse. Dans tous les cas, je remettrai son pseudo en barre d'informations. Petit aparté pour revenir sur le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de vidéos en ce moment, c'est tout simplement parce que je n'en ai absolument pas envie. Je n'ai pas envie de scraper, je suis mieux dehors à l'extérieur, à profiter du jardin, à faire des balades avec mon petit loup, plutôt qu'à scraper tout simplement. C'est donc pour ça que vous avez beaucoup moins de vidéos en ce moment. Donc du coup c'est parti, je vais vous montrer sa carte, sans vous montrer son petit mot. L'avantage de l'avoir lu dans la voiture, c'est que j'ai déjà lu la carte. Et donc, on va gagner du temps. Une très jolie carte faite à l'aide de pochoirs. Avec du washi, je pense. Effet miroir bleu. J'aime beaucoup des paillettes bleues et roses. Je trouve que c'est vraiment de très jolies couleurs qui vont bien ensemble. Surtout que le mélange d'encre, ça fait du violet. Je trouve ça super joli. Et donc, il y a écrit Joyeuse Pâques. Donc, avec une aquarelle, je pense, métallique de chez Action. Donc c'est légèrement métallisé. Elle est vraiment très très jolie. J'ai adoré faire cet échange et le faire avec Manon. Enfin franchement c'était une super expérience et j'ai adoré ça. On a des petits sachets de thé à la menthe. Hop, un autre sachet. J'en ai d'autres autre part. Bon je vous les montrerai en allant. Et sinon donc le principe de notre échange, c'était une embellishment box de Pâques. Et donc du coup, on avait décidé de la faire dans une boîte à œufs. D'ailleurs, si vous voulez voir un petit aperçu de l'échange que je lui ai fait, Manon a posté une photo sur son Instagram. Donc voilà son embellishment box qui est vraiment très très joli. J'aime beaucoup le lapin avec les taches multicolores de peinture. Je trouve ça super sympa. J'aime beaucoup. Et donc là, on a aussi un panier qui est 100% personnalisé. Hyper peps et tout ça pour Pâques, c'est juste génial, j'aime beaucoup. Hop, et donc du coup, on va ouvrir l'embellishment box et elle est pleine à craquer. Ça, je le sais déjà d'avance parce que j'ai déjà regardé. Et il y a plein d'embellissements sur le thème de Pâques. Donc ça, c'est juste génial parce que je n'ai quasiment rien. Là, on a deux petits lapins en bois qui sont juste très très beaux. Ici, nous avons des stickers, donc des œufs, des lapins, des poussins, des happy easter, un de nouveau des lapins et un œuf et un petit poussin. Ici, on retrouve les petits lapins que je vous ai montrés tout à l'heure. Ils sont juste trop choupinous. J'aime beaucoup. Ici, on a le même genre de petits stickers en mousse, sauf que ce sont des petits moutons. En plus, ils sont roses, ils sont super mignons. Et alors, pour finir, on a deux embellissements bois en forme d'œuf, là, rose avec des petits papillons, des petites fleurs. Et pour finir, nous avons deux superbes tags. Alors, c'est tout simplement des petits tags en bois, mais que je trouve juste super beaux. Donc là, je pense que c'est Manon qui a fait des petits tamponnages, qui a colorisé, et ils sont juste magnifiques. Avec des petits coups de crayon sur les côtés. J'aime beaucoup. Et donc pour finir, voilà l'intérieur de l'embellishment box. Qui est vraiment très belle aux couleurs de Pâques. Le thème est complètement réussi. C'est juste très très beau. Donc, je vais mettre ça de côté.
Donc ensuite, alors, j'avais dans le carton des petits stickers de pack, un joli washi tape, vraiment aux couleurs peps et un peu aux couleurs de son échange. J'ai vraiment bien aimé, il est très joli. Et donc il y a écrit « Life is better with the sprinkles ». Donc en gros, la vie est plus belle avec des paillettes. Je crois que ça veut dire ça. En tout cas, c'est quelque chose comme ça. Ensuite, il y avait, alors, des petites cartes, des petites tags. Donc ça, je ne l'ai pas ouvert. J'ai juste regardé, hein. Je vous dis vraiment, j'ai entre-ouvert dans la voiture. Et je crois que ce sont des étiquettes cadeaux, oui, c'est ça. Où on peut écrire un petit mot. Elles sont vraiment jolies, j'adore celles-là. Où on peut écrire un petit mot et les mettre tout simplement sur des paquets cadeaux. Elles sont juste super chou, super jolies. J'aime beaucoup. Ah, même celle-là avec l'orchide, elle est très belle. J'aime beaucoup les fleurs. Hein. Vous commencez à le savoir et à me connaître. Hein. Donc voilà, plein de petites cartes. Donc ça, j'aime beaucoup aussi. Ensuite, on avait un petit stylo poussin. Qui est vraiment très très choupi. C'est vrai que j'ai pas pensé à ce genre de petites choses à mettre dans l'échange. On a encore du thé. Hop, je vais finir avec les petites. Enfin, je vais continuer avec les petites gourmandises. Hop là. Ouais, voilà. Donc du coup, on a deux bonbons qui piquent, je crois. Ouais, ça c'est des bonbons qui piquent. Donc ça, je suis pas très fan, hein. J'aime pas ce qui pique. Un petit chocolat au café, une petite gaufrette, je pense. Ou un petit spéculoos et deux petits caramels. Donc ça, c'est juste parfait. Et évidemment, comme on est dans le thème de Pâques, mais que Pâques était passé, c'est pareil, je lui ai mis des gourmandises. Mais pas forcément de chocolat de Pâques parce que, enfin, forcément, si on envoie notre envoi après mai, il n'y avait plus rien en stock en magasin. Il y a une jolie broderie dans son envoi. Elle est vraiment très très belle. Va falloir que je réfléchisse correctement à comment je vais bien pouvoir m'en servir. Hop, et donc là, on va continuer avec le contenu de son colis. Donc ça, j'ai plus ou moins regardé. Donc déjà, il y a un joli tag. C'est des jolies petites boîtes comme ça, lapin, avec le petit pompon. Je crois qu'ils viennent de chez Action, mais elles sont super mignonnes. Et ça, par contre, je n'ai pas ouvert parce qu'il fallait enlever le petit nœud. Et je me suis dit, ben, je ne vais pas ouvrir. Comme ça, ça me garde un petit peu le suspense. Génial. Et donc du coup, elle m'a mis des embellissements, des petits alors je vérifie juste, ouais, voilà. Des petits paper clips. Donc on a un flamant rose, un ananas, il est super beau l'ananas. Un petit diamant et un cœur. Ils sont super sympas. Ça va me servir, je pense, sur mon album de vacances d'été. C'est même quasiment sûr que je vais m'en servir. Je suis très ananas en ce moment. Des découpes ananas, des tampons, etc. Donc ça tombe parfaitement bien. Alors, bon, je vais devoir couper. Oups là, ça ne tombera pas plus bas. Bon, on a encore une fois un tag. C'est vrai que j'ai oublié de vous le montrer. Voilà, qu'elle a entièrement personnalisé elle-même, ils sont très jolis. Voilà, c'est exactement la même petite boîte. Mais qui, oh génial, mais qui cette fois-ci contient des petits tampons bois. Donc avec un petit feuillage, des petites fleurs et une sorte de couronne un peu effet soleil. Ils sont super mignons. Ça, j'aime bien pour mettre en tampon de fond, pour ajouter de la texture à mes créations. C'est juste génial. Et donc ensuite, on va continuer. Donc je vais tout sortir. Je vais enlever le carton. Ça prendra moins de place. Alors, donc on va faire dans l'ordre. Donc j'ai cette enveloppe. Ouais, des tamponnages. Ah, et des die cuts. Génial. Donc on a 3 die cuts. Un petit vase avec des fleurs, un lama et une sorte de chouette. On a des jolis tamponnages, j'aime beaucoup. En plus ça c'est les nouveaux des ateliers de Karine, je ne les ai pas.
et ils sont juste trop choupis. Parsemer sa vie de petits bonheurs. Enjoy life. C'est très joli. Ensuite, il y a ma petite poulette. Où sont les œufs? Donc ça, c'est génial. C'est juste dans le thème de Pâques. Ça, c'est juste génial. La chasse aux œufs. 1, 2, 3, partez. La chasse aux œufs est ouverte. Mon lapin. Et là, elle m'a refait les mêmes, mais sur un papier calme. Donc ça, c'est juste génial. J'aime beaucoup. C'est vrai que je pense pas souvent à tamponner mon papier calque. Et je devrais parce que je trouve que ça apporte un petit plus, un petit quelque chose de différent par rapport au papier. Ensuite, donc nous avons du ruban qui est juste très très beau, qui est pile poil dans mes couleurs, dans ce que j'aime. Surtout celui-là, il est magnifique celui-là. Avec des fleurs, un peu effet aquarelle. J'adore. Ensuite, on a une jolie boîte. Donc, en plus de ça, elle me fait un cadeau de cette jolie boîte. C'est super sympa. Et donc, dedans, il y a des embellissements bois. Donc, un petit nounours. Une petite fleur. Enfin, il y a même en double. Des petites fleurs. Ensuite, des formes hexagonales. Des ronds. Enfin, des cercles. Des petits cœurs. Une encre. Alors, la mise au point. Voilà, une encre. Et pour finir, je pense, une abeille. Hop, on va continuer. Donc là, c'est vrai que j'ouvre sans vous montrer. Mais voilà l'emballage qui est super mignon. Donc ça, c'est fait tout simplement avec un papier, hein, je crois. Donc comme quoi, on n'a pas besoin de toujours avoir des emballages. Une page de scrap, un papier de scrap, ça suffit amplement. Et donc là, elle m'a glissé un cadeau. Donc c'est tout simplement de la poudre mica rouge. Elle est super sympa, j'aime beaucoup. J'en ai une bronze de cette gamme-là, de cette marque-là. Et j'aime beaucoup m'en servir, donc bah, celle-là, je pense que je vais adorer aussi. Donc c'est compliqué de vous la montrer, hein, mais elle est un peu rouge, effet rouge-rose, j'aime beaucoup. Donc, voilà pour son cadeau. Et ensuite, il reste deux enveloppes où elle m'a glissé petit cadeau, mais bon, ça, je ne l'ai pas ouvert, donc bah, j'ai hâte de l'ouvrir. Et petit plus. Donc on va commencer par petit plus. Ah bah c'est plein de découpes. C'est juste génial, j'adore ça en plus. Donc on a pas mal de petites découpes de feuillage, des papillons, une libellule, encore des papillons, et pour finir un joli cœur et un feuillage. Elles sont super belles tes découpes Manon, merci beaucoup. Et donc pour finir c'est écrit petit cadeau. Alors, on va ouvrir. Oh, c'est un tampon génial. Oh, il est beau. Oh, il est beau. Alors, c'est un très, très, très joli tampon. J'adore la libellule. Elle est super belle. Je la trouve vraiment très, très jolie. Et lift your spirit. Bon, esprit, mais bon, je sais pas trop ce que ça veut dire. Enfin, je vois pas trop, mais bon, c'est pas grave. Pour le coup, c'est vraiment la libellule que j'adore. Elle est très, très, très jolie. Donc voilà pour notre échange avec Manon. J'ai vraiment adoré préparer cet échange-là. Je te remercie énormément Manon. J'ai adoré ce que tu m'as préparé, ce que tu m'as envoyé. Je suis aussi ravie que ce que je t'ai envoyé t'a plu. Enfin, que ce que je t'ai envoyé t'ait plu. J'ai hâte de refaire des échanges avec toi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye !